Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu essoufflée. Je viens d'aller chercher un colis en bas. Mon facteur vient d'arriver. Comme ça, vous voyez pas c'est quoi. Mais moi, je sais. C'est la Webox du mois d'août. Oui, je sais. On est en retard. On est en moitié temps. Webox est en retard. D'habitude, je l'ai au mois d'août. Je l'ai au mois d'août. Et cet an, je l'ai au moitié temps. Mais ils sont en retard de quelques mois. Enfin, d'un mois, voilà. Du coup, je viens de la voir. Pour vous dire aussi, j'ai un truc à vous dire. Vous allez avoir le mois d'août que je vous fais là maintenant. Et celle de septembre. Après, j'ai arrêté l'abonnement. Je ne peux plus. Il n'y a jamais rien qui me plaît absolument dedans. Voilà. Du coup, je me dis que c'est bon. Je regarderai de temps en temps s'il y en a une qui me plaît. Mais je ne la prendrai à part. Mais là maintenant, j'ai pas. Voilà. Je pense peut-être regarder, peut-être pour prendre celle de décembre. Mais je suis pas sûre. Du coup, c'est celle de l'été. On va voir parce que logiquement, c'était une spéciale été. Regardez, c'est ça. C'était avec des petites glaces. Hop, je vais l'ouvrir et la mettre là. Du coup, pour vous montrer. Si je vous montre à l'endroit. C'est bien celle de août, je vous montre août. Voilà, c'est la Sunday. Je ne vais pas regarder parce qu'il y a tout ce qu'il y a dedans. On regardera après. Voilà, je chope le pinch. Oh, qu'il est beau! Je ne sais plus son nom à lui. C'est l'escargot dans Bob l'éponge. Je ne sais pas son nom. Il est trop beau. J'aime bien. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? Oh, punaise. C'est ma stock, ça. C'est un Groot. Un Groot. On dirait que c'est un truc de valise, si je vois bien. On va quand même l'ouvrir. Hein. Je suis essoufflée. Parce que comme il sonne et après il se barre, il faut aller vite. Par contre, si je vois qu'il faut que je... casse tout pour en fait ça passe et ça passe pas, ça a l'air de passer. C'est Marvel, c'est celle-ci, je crois que c'est beaucoup de Marvel en fait. C'est vrai que je suis pas fan de Marvel, mais Groot quand même, ça je pense quand même que je vais le garder. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez vu, c'est un machin élastique, voilà. Je viens de passer Groot dans la noue là. Et du coup là, vous marquez votre nom et votre nom, votre rue et tout ça pour mettre sur votre valise. Ça peut bien. Il est trop beau mon Groot. Voilà. Pour ça, après, j'ai ça qui me plaît absolument. Oh, c'est du plastique. C'est une gourde recyclée, voilà, de Space Diem. Il faut que je vous en parle. Ah oui, elle est trop belle. Vous avez tasse. Lui, je ne sais jamais son nom. Voilà, il y a un truc de marqué, mais je ne sais pas. Là, il y a Bugs Bunny et Titi. Oh, Bugs Bunny, trop beau. Et puis surtout. Voilà. C'est juste une bouteille en plastique. C'est bien, je pourrais mettre du coca dans celle-là. Elle devrait pas exploser. Voilà. Hop. Elle est juste comme ceci. Avec le capuchon bleu. Ah oui, je vous ai pas montré. On ne voit pas à l'intérieur, mais... voilà, c'est juste... et le capuchon. Voilà. Elle est trop beau. Elle est trop belle. Ça, c'est toujours... Voilà. Ça, je suis d'accord pour la Woodbox. J'en ai marre des trucs qu'on s'en sert jamais comme des... comment ça s'appelle? Les sous-verres. Moi, pour le moment, c'est vrai que j'en utilise pas. Du coup, voilà. Mais ça, c'est bon pour des enfants qui... Voilà quoi. Ça, c'est des trucs intéressants. Puis, il me reste le t-shirt et la figurine. On va commencer par la figurine parce que, voilà. Encore une fois, elle va aller sur Vinted. C'est Marvel, le numéro 708,
El Flore, Flori, Furioso. Voilà, je ne le connais pas. Un peu catch comme ça. Et ça. Voilà, je vous montre la collection des catch. Je vais pas la sortir, j'ai vraiment pas envie de la sortir. Enfin, vous la voyez pas beaucoup. Je vais vous la sortir quand même, allez. Je vais être gentille, hein. Et puis il y a un t-shirt là. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Oh ouais, c'est avec les. Les têtes. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une. Je n'aime pas cette tête. Ça m'angoisse. Voilà à quoi elle ressemble. Je ne le connais pas. Voilà. Je vais la remettre dans sa petite boîte. Et elle va partir sur Vinted, je pense. Moi, elle m'intéresse pas. Du coup, voilà. Là, je suis d'accord, c'est des trucs Disney. Oh, il est trop beau. Oh, je vais le mettre tout de suite, je pense. J'ai mis mon t-shirt de dodo, en fait. J'ai juste le bas habillé, le haut, c'est mon pyjama. Mais ça, je vais le mettre. Oh, il doit être beau. En plus, c'est Disney. Vous voyez, vous avez le tag Disney. Vous avez le tag Disney. Oh, mais il est trop beau. En carte, il est beau, il est magnifique. Là, je suis d'accord. Ça me plaît. Ça, je fais tout tomber. Comme ça me plaît. Cette box me plaît. Voilà, cette box me plaît. Pour une qui me plaît, c'est bien. Je ramasse ce que j'ai fait tomber avant. Voilà, la plastique. Elle me plaît. Je vais le mettre, je pense. Je vais le mettre. Je vais le. Voilà, je vais le mettre. Il est trop beau. Voilà. Et la box, elle ressemble comme ça. C'est des glaces en fait. Vous voulez qu'on la retourne pour voir complètement? C'est compliqué à les refaire en plus. Hop. 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 Ça coupe. Comme ça. Le problème, c'est que quand vous les. Elles sont montées. Non, comme ça. Qu'est-ce que je raconte? Non, comme ça. Il faut penser que là, vous passez votre boîte dedans. Du coup, faut que. On ne peut pas faire de conneries. Voilà. Qui veut une glace? Oh, pour une fois, je l'ai faite d'un coup. Voilà à quoi elle ressemble cette box. Elle est trop belle, trop fraîche. Petite glace. Là, il y a une glace grosse. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des dessins sur les glaces. Vous voyez pas trop. Là, une tête de mort. Là, c'est Hulk. Là, on dirait Groot. Et là, une balle de basket. Là, sur le côté, ça se présente comme ceci. Voilà. Je vous la montre. Là. Il y a juste marqué. Et à l'arrière, il y a les glaces pirate. Ouais, pirate one orange. Gram paradiosia. Enfin, je ne sais pas lire. Tikin. Voilà. C'est les différentes glaces avec leur nom. Voilà. Ouais, j'espère que voilà. Elle est trop belle, j'aime bien. Monsieur va être content parce que je disais que je ne l'avais pas encore reçue et que voilà. Voilà pour tous ceux que j'ai reçus. J'ai eu la pop. Je vous les remonte. La pop. Le petit étiquette ou valise. Voilà, j'arriverai à trouver. Le petit pins. Me plaît bien aussi.
le petit formulaire qu'on va regarder, la gourde qui est trop belle aussi, et le t-shirt qui me plaît absolument. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est blanc, quoi. Mais heureusement, à part ça. Du coup, on va regarder le flyer. Du coup, Funko Pop, Luchador. Ouais, on avait le droit à plusieurs pop, mais voilà. Elle coûte 14,99€. Le t-shirt Pirates des Caraïbes. À 19,99€, à défaut de pouvoir montrer sur le backway de navigation du côté de Jack Payston tout l'été, recevez ce t-shirt de pirate plus en détail de Caraïbes. La bouteille Space Jam 2, 15,99€, votre Sumbaby est prêt. Lors de vos séances de sport, n'oubliez pas surtout de vous hydrater. Accompagné de Space Jam, munissez-vous d'une bouteille et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'espérer de l'équipe. Étiquette à voyage de Groot, 10€. C'est quand même cher un machin de Groot là. Je m'appelle Groot, je partage mon voyage avec les étiquettes de voyage à l'effet de votre garant. De la garantie. Galaxie préférée Groot, un bon moment, bon moyen d'être sûr que votre valise atterrirait sur le bon, la bonne planète. Et le pins. Retrouvez notre magnifique Gary. Voilà, je ne savais plus, c'est Gary qui s'appelle l'escargot dans l'animal de compagnie célèbre de Bob l'éponge. L'escargot le plus célèbre de Bikini Tono dans votre box French. Voilà. Voilà, ouais, ça c'est le même. Ouais. C'est le même. Et alors, vous avez aussi le la box collection Star Wars. Moi, je me la prends pas, j'aime pas Star Wars, ça sert à rien. Elle est à. Attendez que je regarde. Voyager dans la galaxie lointaine, très lointaine, gardez à ce. Pack de 3 box édité international, chacun de 5 produits 100% dédicés de la saga, ouais, de la saga Star Wars, d'une valeur de 70€ environ. Du coup, la box suivante, c'est le numéro 2. Ah ouais, la box numéro 1, elle est là. Vous avez la box numéro 1 qu'il faut acheter, qui est pour le septembre, qu'il faut la prendre. N'hésitez pas à la vous la procurer si vous avez envie. Et il y a la box numéro 3 aussi de Star Wars, c'est au mois de novembre. Et du coup, elle réservez vite votre édition limitée pour 37,99€ au lieu de 39,9€ seulement à votre réduction. Un abonnement ou 35,99€ par box si vous obtenez pour le pack complet des 3. Le triage au sort aura lieu parmi les premiers acheteurs du pack, le pack de 3 box pour un gagnant Lego RD2. Voilà. Si vous achetez les 3, enfin maintenant ça va être trop tard pour vous, mais il y a le Lego là, Star Wars RD2 à gagner. Voilà. Et là, vous avez les commentaires des qui commentent la box. N'oubliez pas de poster vos box. Moi, j'ai jamais fait. Là, vous avez quelques photos de personnes qui ont la box. Enfin, les box qu'ils ont, je sais pas de laquelle. Voilà.
Il y a plusieurs bugs, je pense. Du coup, voilà. Et les autres pages, c'est la même chose. C'est en plusieurs langues. Voilà. Pour cette box, dites-moi quel item vous préférez. Moi, je vais dire le t-shirt. Le premier, quand même, la gourde et le t-shirt. Voilà. Et puis le pins. J'aime bien le petit escargot. Moi, voilà. Je vais... Voilà. J'aime bien le petit escargot. Voilà. Voilà pour cette petite bus box. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, oui. Enfin, pour une fois, oui. Enfin, pas tout, mais une grosse partie. Du coup, la voilà de plus belle. Dites-moi en commentaire si vous l'avez pris ou pas. Est-ce qu'elle vous intéresse? Quel item vous avez envie de me piquer? Ou quel item vous avez envie de vous le procurer aussi? Tout ça dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Je pense que je vais la montrer sur Insta après. Ouais, elle est trop belle. Du coup, je pense que je vais faire ça. Et... mes Insta sont dans la barre d'infos. Enfin, mon Insta est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me retrouver par là. C'est là que je parle de mes vidéos, de mes livres, de mes vidéos et tout le bazar. Quand je suis en retard ou ce que je ne mets pas en ligne. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.